Ils sont dans nos réfrigérateurs, dans nos climatiseurs, dans nos camions réfrigérés. Les hydrofluorocarbures ou HFC, ce sont des gaz frigorifiques particulièrement efficaces. Problème ? Lorsqu'ils s'échappent dans l'atmosphère, ils ne sont plus synonymes de froid, mais de réchauffement climatique. Des gaz à effet de serre 14 000 fois plus puissants que le CO2, qui seront progressivement interdits partout dans le monde. Conclusion d'un accord historique signé ce matin. C'est certainement le pas le plus important qu'on puisse faire aujourd'hui pour limiter le réchauffement de notre planète et protéger les générations futures. Un accord historique vient d'être conclu à Montréal. Bannir des gaz à effet de serre, cela n'était pas arrivé depuis 1987. C'était à l'époque l'interdiction des CFC, des gaz présents dans les aérosols, responsables du trou dans la couche d'ozone. Presque 30 ans plus tard, cette mesure a permis de le réduire de près de 4 millions de kilomètres carrés, la surface de l'Europe. Alors cette nouvelle interdiction sera-t-elle aussi efficace ? Elle marque une étape décisive pour les défenseurs de l'environnement. On sait que ce simple accord, s'il est appliqué comme il a été annoncé, pourrait réduire d'un demi-degré le réchauffement de la température à l'échelle de la fin du siècle. Donc c'est une bonne nouvelle que les États de la planète s'engagent à réduire l'utilisation de ces gaz dont on peut se passer aujourd'hui. Ce nouvel accord entrera en vigueur dès les prochaines semaines, mais sera progressif. Ces gaz nocifs ne disparaîtront totalement qu'en 2050.